ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Du long, du éloge appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peine à aucun doute. Il me fait accoler dans le Coran beaucoup de nouvelles. Et parmi les nouvelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui me fait nous connaître dans surah Ibrahim, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. Ensuite, après bénédiction au Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui finançait nous comment vous devez faire, l'audit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vient montrer nous le chemin droit, chemin qui permet de nous faire succès au dunya et dans l'akhirat. Qu'il appelle au lit, sa famille, son compagnon et tout le monde qui suit jusqu'à le jour Qayamat. Frère Sion Islam, dans sa verset, qui trouve dans Surah Ibrahim, il a une bonne nouvelle pour une certaine catégorie de monde. Dans sa verset là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا Allah fait tenir ferme pan qui fin amen iman. Pan qui fin amen iman au Allah subhanahu wa ta'ala. Pan qui fin amen iman au message qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin amen i. Allah fait tenir ferme l'eau sanguine. Allah va les yeux égarés. Et comme ça même, dans sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Bil qawli thabiti bil hayati dunya » L'aura une parole ferme dans sa dunya. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit « Ala la ilaha illallah » Sa parole ferme qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître ici. Sa parole thabita, c'est « La ilaha illallah » peut n'a aucun bon Dieu excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans qui moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fait une tenir ferme de sa parole qui appelle La ilaha illallah? Dans un autre hadith qui est dans An-Nasa'i, qui rapporté par Al-Barra ibn Azim radiallahu anhu, lui dit concernant révélation de sa verset là, qui sa verset là vient descendre pour punition kabar. Sa verset là vient descendre pour punition kabar. De là, nous déduisons qui, en tant que musulmans et musulmans, nous disons qu'on est qu'il est la vie pour le vivre dans Papa. Nous la vie n'est pas arrête avec nous l'amour de l'Odunia. Nous n'avons une partie de vie qui appelle Hayat al-Barza, qui nous vit dans nos Papa jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réveille. Mais dans nos Papa, pour nous faire succès, pour nous capables de répondre à une question qui vous pose, nous, c'est ça même qui, dans sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala peut bien nous connaître. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ Allah vous fait un bien iman de bien faire dans ce moment-là. Dans le moment que vous posez une question, qui beaucoup parmi nous nous connaît, maintenant vous, qui s'en accorde. وَمَا دِينُ qui te religion. وَمَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِ qui s'en demande qui t'y est envoyé envers toi-là. Trois questions vous posons. Beaucoup parmi nous, le matin, nous donnent la réponse. Mais connaissez, frères et sœurs en islam, dans ce moment qui vous met tout dans nos paroles, quand un ange voulait nous vous poser cette question-là, beaucoup parmi nous vous faites. La raison est en Allah subhanahu wa ta'ala, dans comment se convient, c'est là qu'il fait nous connaître. Qui peut mettre nous vers succès, vers réponse qui disait le tabbitullah ou l'adina amanu. Pas qui vient avec l'iman seulement. Pas qui vient avec l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala est tout un pilier.
qui accomplit, qui vient ensemble, c'est la justice de l'Iman. Les gens qui ont eu un cadeau là avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah vous fait devenir ferme, donc d'abord, quand vous posez une question, je vous donnerai ma réponse. Ensuite, vous avez un ferme. Jour Kayamat aussi. Jour Kayamat, que beaucoup de gens disent, je vous donne une qualité de tracas. Tracas, parce qu'il n'y a pas de rencontre pour toute l'action qui nous fait faire pour la terre. Traka parce qu'il a demandé l'enfer, il a demandé le paradis, que nous pouvons. Traka parce qu'il ne nous pas connu dans qui l'armée nous pouvait nous lire. Est-ce qu'il nous pouvait lire dans la main droite ou bien dans la main gauche? Traka, dans les péchés qui nous vivent faire la terre, nous pouvons transpirer et nous pouvons noyer à travers nos transpirations. Nous tous nous donnons un état incroyable. Mais seulement, ben, qui vient avec l'Iman, l'Ola ilaha illallah, Allah vous fait se tenir ferme dans ce moment-là aussi. Je ne pas pour moi dire, pour gagner dans le nord, je ne peux pas pour gagner craquant. Je peux avoir une qualité contentement, une qualité tranquillité dans ce qui, quand vous posez pas une question, ça joue là aussi, je ne pourrais pas répondre par une réponse qui disait répondre. Vous savez, frère, sur l'islam, dans une place dans le Coran, concernant sa même vérité, Allah subhanahu wa ta'ala dit, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Une chose qui est faite sur l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous la bonne nouvelle. Ici, il y a des conditions. La première pièce que j'ai citée, c'est la seule condition, c'est l'Iman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans cette pièce-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allah » Certainement, pas qui vient dire « Nos rabs, c'est Allah. » Nos rabs, c'est Allah. Pas tout le monde qui dit ça aujourd'hui. En guise de pression d'Islam, combien parmi nous aujourd'hui qui vraiment prend Allah comme son rab? Mais combien de l'autre côté finement ce désir, ce passe-temps comme cela. C'est une vérité qu'Allah fait nous connaître dans le Coran. C'est lui qui finement ce désir, ce passe-temps comme cela. Et ça fait égale. Comme ça, comme on dit, combien parmi nous, c'est qui nous travaille, qui vient nous bondir. Nous l'enfant, qui vient nous bondir. Nous avons une action qui nous fait faire, soit ça pour faire Allah plaisir. Et n'a rien alors, qui dit bien qu'il est grave, nous ne pouvons pas prendre compte. À l'exception, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, ben qui vraiment se sincère, quand je peux dire qu'Allah se conduit. Ben qui, quand il s'agit de tant une difficulté, de tant un problème, de tant un dilemme, je réponds vers le Coran et à Sunna. Je parle des autres de ma petite chose, des innovations. Je crois la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah dit que je, tel qu'il se dit beaucoup de moi, alors je t'accepte à tout cœur. Et quand Allah dit prévenir que je connais que tel qu'il se dit pas bon, alors je t'accepte et je t'égage de parler je à l'homme de ma petite qui va bien. Ben qui accepte Allah, ben qui compte Allah. Ben qui, quand je fais adorer Allah subhanahu wa ta'ala, je t'arrive à ce niveau, qui je fais adorer Allah par l'amour. Oui, frère, sur l'islam. C'est un grand niveau qui lui demande pas qu'il Allah fait. Nous arrivons à ce niveau-là. Qui, quand nous fait adorer Allah, c'est pas par la frayeur qu'Allah ne met plus dans l'enfer, non. Mais par l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous adorons. Les différents métiers. Les différents métiers sur l'islam. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Après, je ne pas seulement qu'il dit la ilaha illallah, mais n'a aucun bon Dieu excepté Allah. Je ne parle pas de qui m'a mis l'Iman au Allah et le Sommissaire sallallahu alayhi wa sallam dans la langue seulement. Thumma staqamu. Ensuite, je vais tenir ferme le petit chose, le chemin droit. Cela peut être mustaqim. Qui veut dire tenir ferme le chemin droit veut dire je vais mettre en application sa Iman. Sa Iman, qui est une Dieu de Téhana, il pas seulement le jeu d'Anna, il n'y a pas de décrire, mais il y a une action qui se fait faire.
Le trouve sa imana de réfléchir dans un croyant et croyante. À travers ce même action, à travers ce même parole, quand il fait-il avec ce maman-papa, il obéissant envers ce maman-papa, il parlait de la voix envers eux. Quand il fait-il avec des gens qui soient musulmans ou bien non musulmans, il n'a pas de caractère, c'est-à-dire qu'il répète leur vie, parce qu'il se dit qu'il enseigne ça. Quand il n'a pas place de confiance, il n'a pas place de confiance, l'autre djimon, quand il est malade. Quand il est malade, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui te donne maladie et c'est lui qui te donne guérison. Quand il a une difficulté, il connaît ses histoires Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut pas partir de la difficulté. Alors il t'entame avec Allah. Il vit sa iman en pratique. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. S'il y a sa décondition dans nos frères et sœurs islam, dès que Allah subhanahu wa ta'ala, bonne nouvelle qu'il est de nous. Premier, tatanazzalu alayhim al-mala'ika. Anna takhafu. Premier, un ange descend dans sa jimouna pour une jeune comme ça, pas besoin de l'impérer. Et bien, pour passer, je dis à qui ce moment-là, c'est dans le moment des sakarat al-maut. Dans le moment des sakarat al-maut, pour un croyant et croyante, mais n'a aucun plus bien-être réel en lui, qui a là une réserve pour moi. Tout le monde, mais n'a aucun plus d'ailleurs. Vous voyez qu'il croit qu'il y a un jour, il n'a pas le rapport devant Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa prière là dans lui. Mais pour un croyant, dans ce moment-là, comme à laquelle porte une chaise de roue, c'est arrivé par ange de l'inattentivité, pas besoin de l'intérêt. En le temps, connais qu'il y a une bonne nouvelle qui t'attend de toi. Au intérieur, tu as vu une image de Allah, tu as vu une livre au chemin droit, alors, bonne nouvelle pour toi, pour l'étape qui vient attendre toi après de l'amour dans ta mort et aussi le jour Qayamat. Ça, c'est faux. Maintenant, le livre tranquillité. Qui va, c'est maintenant, et spécialement des femmes, pour ce moment-là. Deuxième nouvelle, voilà ta zène. Pas besoin de sa grève parce qu'il n'a pas un djimon comme Jémo ou bien une d'un état. Donc il peut pour qu'il s'abîme à la garde. Il a sa grève, il est petit, 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 il est madame, il est petit, il est enfant, il est petit, il travail, ainsi de suite, qui va arriver maintenant. Il est sa grève en lui-même, mais maintenant, depuis la bonne nouvelle, pas besoin de sa grève, Allah pour prendre cette responsabilité, ça va être. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Maintenant, on dit la bonne nouvelle qui Al-Jannah, le paradis, qui a la fin promet, ça même qui te connaît. Pression islam, en tant que musulmans et musulmanes, c'est vraiment une fin qui nous croit dans la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alors il n'y a aucun but. Nous disons, concrétise avec cela dans nous. C'est juste à deux premiers conditions. Quand il dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il n'est pas arrivé la même, mais il disait aussi dans le lapin de tous les jours, il disait vie pour ma Allah ou les. Les lapins, Inch'Allah, nous pouvons savoir qu'il y a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Frère, si on a tenu ferme dans le dîner Allah, il y a quelque chose qui est bien important pour un musulman et musulmane. Et de temps à autre, nous disons des mandats avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pas penser qui, quand nous pétions 5 fois salat, pas penser à cause d'une affaire Hajj, de l'égard de Rosa, de pétir Coran, de pétir Sadaqa, de pétir bonne action. Alors, nous finissons une garantie qui ne nous pourrait habiter en paradis. Jamais. Jamais pétition d'islam. Garantie, c'est celui qui pouvait faire succès dernier moment de sa vie. Dernier moment qui est important pour un croyant. Et pour tenir jusqu'à ce dernier moment-là, c'est lui que doit. Demande beaucoup de temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les temps qu'il a dit qu'il sallallahu alayhi wa sallam, je vais monter sur mon compagnon, c'est Allahumma inna nas'aluka thabata fil ard. Oh Allah, donne-nous thabat. Donne-nous fierté dans sa dîne-là. Fais-nous chiffère jusqu'à le dernier moment de la vie. Parce que tous les frères et sœurs d'islam, il y a un hadith qui rapporte. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met nous en garde concernant une petite chose qui est capable d'arriver.
à Antimone. C'est pour cette raison qu'il y défend. Il ne peut pas permettre que nous fassions jugement Antimone. Parce que Antimone pense l'apparence, alors nous disons que c'est un adjet, c'est un adjet à l'ami. Nous nous payons dans sa qualité là-dedans pour nous faire ce jugement. Jugement, ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas faire Antimone ce jugement. Est-ce qu'il n'a pas fini là? Dans l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Antimone qui est une comète, sans crime qui est une comète, dans nos égards des criminels, dans nos égards, si nous utilisons pour faire ce jugement, nous condamnons. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, sa personne-là, à cause de l'intention qui sincère pour les répentir, c'est ange, qui ange qui est une tierce sur l'eau, c'est bon ange qui est une tierce sur l'eau au final. Mais comme une santé. Mais l'autre côté aussi, il parlait, quand il est là, un événement qui arrive dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est là, un djimoun dit la guerre avec pas de musulmans. La guerre avec pas de musulmans. Et il dit mot dans la bataille. L'état des mots, parce qu'on a bâti ça, c'est un chalit, ça. L'état sujet ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Jésus comme ça, non, il va même habiter l'enfer. Allah fait l'iconique qui s'attimouna, quand il dit naguère, il n'est pas fait naguère à cause de la ilaha illallah, il dit naguère à cause de ce peuple. À cause, vous dites, il fallait être en se donner avec ce peuple. Donc, juste quand il dit, tout qui dit à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce qu'il a dit, qu'il est sallallahu alayhi wa sallam, qui est le hadith, qui rapporté dans Bukhari et Muslim, Inna rajul, la ya'amalu az-zamn al-tawil bi'amali ahli al-jannah. ثم يختم له بعمل اهل النار certainement un djimoun un long moment li pou faire une action qui va mener vers le paradis li pou faire une action qui va mener vers le paradis veut dire li pou vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ثم يختم له ensuite ce ritard ce finition qui crée des finitions min ahl al-nar. Il ne peut pas vivre un habitant d'enfer. Il ne peut pas vivre un habitant d'enfer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on dit « Wa inna rajula, la ya'amalu zaman al-tawil, un djimoun li pou faire longuement par l'action, bi amali ahli nar, par l'action qui nous donne une réponse à pas vivre l'enfer, il est dans une désobéissance à Allah. Il n'est pas fait vivre pour moi, Allah, mais j'ai vivre pour moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'enseigne. Et qu'est-ce qu'il a dit Karim sallallahu alayhi wa sallam comme ça, ثُمَّ يَخْدِمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Ensuite, en finissant cela, il fait une certaine malaction qui amène l'idée du paradis. Allah. Donc, frères et sœurs en islam, nous la fin est importante. Nous la fin veut dire qui nous disait qu'on est esquilou pour moi, le kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mais il n'y a pas connu quand nous pouvons. Si nous connais quand nous pouvons, veut dire, dans le cadre de la dernière moment, nous faisons action. Mais nous ne connaissons pas. Alors, nous, la réflexion en islam, c'est qu'il nous dit qu'il commence à préparer nous-mêmes pour sa dernière moment. Prépare nous-mêmes pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Prépare nous-mêmes pour vivre dans la vie qu'Ali sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce l'enseignement. Prépare nous-mêmes pour tenir ferme au chemin droit. Et continue les mandats avec Allah. Continue les mandats avec Allah qui est l'utilité dans sa dernière moment. Parce que sinon, nous sommes capables de nouvelles actions à l'envie. Et bien, nous devons savoir qu'il nous explique ça à l'état. Je veux dire, comment est-il possible qu'il y ait un djimoun qui fait beaucoup de bonnes actions après ça, les mille parmi les habitants d'enfer. Je veux dire, parmi Adam, c'est un mounafir. Un mounafir, un hypocrite. Qui lit, les cachés. En deux mots, il montre lui-même qu'il est un bon musulman. Mais derrière de lui, il n'y a pas sa qualité là du tout. Et ça, c'est une petite chose qui vient bien rare, qui Allah étend nous dit l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie se place les profonds de l'enfer. Donc la personne, quand il fait faire son action, il fait lire à un nas pour faire tout le monde voir. Et lui-là, il est capable de faire beaucoup de bonnes actions, alors que ce n'est pas une action à l'envie. Et il va être gagné sa qualité-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah fait le faire. Comme ça même.
et n'a beaucoup pas musulman et musulmane de cette vie. Leur finition de cette vie, malheureusement, je prénonce à l'islam. Je prénonce à la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, leur finition de cette vie. Ou bien même, comme imam qui je te dis, comme un bon musulman, mais dans la fin, c'est arrivé. Il donne coup de pied, ban mouchrik, il donne coup de pied, ban l'ennemi, pour envahir ban musulman. Et puis là, la personne comme il mot, de ce bien finition de cela, il mot comme un kafir, qui a la protection de sa affection de l'islam. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est nous, pour vivre sur l'obéissance et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait une tenue ferme, de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, jusqu'à qu'il nous quitte sa lumière à nous aller. Après le qawli hada, astaghfirullah, alayhi wa lakum, wa lisa'il muslimin, alayhi wa lakum, astaghfirullah, innahu huwa al-ghafurur rahim. رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن الإسلام كتير لو سكتوا بكلا تني فهم لو شما الله سبحانه وتعالى جس كاملية نبوة. ما صحابة كش بيكوز كيسو لبوفي صلى الله عليه وسلم vraiment كش بيكوز عن كيسو كتلا زد كولي في السكسي هو دنيا دي كلا خيرات سكالتي كيسو ما كيسو بيكوزي طامي لدن C'est un sahabi qui s'appelle Abi Amr ibn Abdillah. Il dit à Koulou Ya Rasulallah. Il dit à Mofinjiya au message d'Allah. Koulou fil Islam am, Paulan, la as'alu anhu ahadan ghayra. Dis-moi une parole dans l'islam qui ne va pas vous demander personne à votre peur. Mais dis-moi, vous ne demandez pas ce qui est un diamant, vous croyez pas la même, que vous faites ce qui est un diamant. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit qu'on s'attire. قل آمنت بالله جئت مفيد أمين إيمان الله سيسا ربما ستحيط بول أمين ويجئت أن إنسان قال إن لا إله إلا الله بأسو لنا ويجئت لتكو في السكسي لتكو في من أبي كريم صلى الله عليه وسلم لفي دون فاجمنا أن كوين كونسي لجالي إنسان ثم استقيم ensuite Vite nos chemins droits. Dieu au final avec l'Iman, il n'est pas passé. Vis-à-vis nos chemins droits, vis-à-vis sa Iman en pratique. C'est ce conseil-là qu'il a dit Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin donne sa sahabia. Comme ça même fait sur l'islam. Dans le monde qui nous dit, par ce mot, quand il y a des fitnas qui peuvent apparaître de jour en jour, alors, pour un croyant et un croyant, il n'y a aucun doute. Des bizarres, prend beaucoup de précautions. Qui fait, parce qu'il est possible qu'il arrive à un moment quand il va se lier à cause du lien. Oui, frère, sur l'islam, cette entité-là qui n'a pas apparaît. La vie qu'Ali sallallahu alayhi wa sallam dit à Bahiru bin A'mal, fitanan katéba al-layl al-mutlim. J'ai pour ça, à ce moment-là, faire vite pour faire bonne action. Faire vite, pas déjà seulement faire bonne action, mais déjà nous faire vite. Et dans l'époque qui nous fait vivre, aujourd'hui, ce conseil-là, il est bien applicable à nous. À l'identité, qui quantité, fitna et la à l'encontre de nous, aujourd'hui. Qui quantité désobéissance en Allah subhanahu wa ta'ala, et la à l'encontre de nous, qui peut empêcher de vivre comme un vrai musulman et musulman. C'est pour cette raison qu'il a dit qu'il est sallallahu alayhi wa sallam, 14 ans à l'année du Sénat, il dit prépare-vous maintenant. Pour être capable de faire face à tout ça, va vite, nana, faire une bonne action vite. Qui vite ça, va vite, nana, pour apparaître, d'après par les lèvres et le modeling. Pareil pour ma nuit, prendre depuis Maghrib jusqu'à Pitor, puis aller vivre plus loin. Que pas pour trop clair, en deux mots, un djimoun, il n'est pas pour capable de distinguer entre ce qui est halal et haram. À ce niveau-là, pour une fitna de la terre. Pas si ça fait sur l'islam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam donne-nous l'exemple dans sa hadith. Qui niveau de djimoun pour arriver, dans qui est allé pour arriver? Il dit à Moussa,
يصبح الرجل مبليها مؤمنا. Dans sa état, dans sa moment-là, un démon lui peut lever avec iman. Voyons si il est affirmant. Grammatique et la iman, tantôt l'ina, couvre dans ce léguerre. L'infini n'est qu'à faire tantôt. Voyons si il est minin, tantôt l'ina iman, voyons si il est affirmant. Le matin, il est avec couvre. Dans l'espace de 4 temps, un démon lui peut perdre son iman. L'espace de 4 temps, il n'est pas long. À ce moment-là, nous trouvons les temps qui ont été vite gardés à ce moment-là. Mais qui vite est-ce qu'il nous perd sa imana? Et pour qui raison? Il y a l'ironie dans mon père avant de nous mettre d'un temps. Ça, c'est mon ami pour vendre ce livre à cause d'un temps. Alors, frère, si on dit ça, c'est un avertissement depuis la vie qu'il y a eu, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui a l'intelligence, c'est lui qui a eu le succès, l'autre, il est dans l'âge là. Mais il n'y a aucun de lui pour conseiller la vie qu'il y a eu, sallallahu alayhi wa sallam. En considération, demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, pareil comme la fille fait nous l'élo iman, qui lui fait mot l'élo iman, et lui fait nous lever, inshallah, parmi nous, iman d'art, jour qayamat, dans l'île de l'Ikarim sallallahu alayhi wa sallam. Demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui garde tout le temps le chemin droit, sinon pas nous stakim, et qui lui fait nous mot l'eau sans chemin là, et qui vient un jour, dernier moment de la vie, lui fait nous signifier de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ça même dit que nous avons 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 dit فرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في بورما. اللهم انصرهم في سوريا. اللهم انصرهم في اليمن. اللهم انصرهم في كل مكان يولى كلمتك يا الله. انصرهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم. اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين. دمر اليهود ومن والاهم. دمر المودين في كل مكان. دمر بشار الأسد ومن والاه. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.